C'est derrière ces montagnes que se trouve l'épave de l'Airbus A320. Entre le poste de commandement des secours et le lieu du crash, le va-et-vient incessant des hélicoptères. Le lieu de l'accident est pratiquement inaccessible. C'est un vallon très étroit. L'avion s'est probablement crashé contre une barre montagneuse, ce qu'on appelle ici la terre de Robin, ce sont des terres noires. C'est une paroi verticale. On a l'impression que la montagne l'a piégé. Parmi les passagers, 72 Allemands et 49 Espagnols. Des ministres des deux pays ont fait le déplacement à Séine-les-Alpes en compagnie de Bernard Cazeneuve et Ségolène Royal. Nous sommes en état de choc après avoir visité les lieux de la tragédie, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce drame ait le moins d'impact possible, même si nous savons que c'est très difficile. Demain, c'est au tour des chefs d'État. François Hollande, Angela Merkel et le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy se rendront sur place. Une chapelle ardente a été installée. Les sapeurs-pompiers seront présents encore quelques jours pour assister les familles des victimes. Il y a une mobilisation de tous les acteurs pour faire en sorte que lorsque les familles vont venir, si elles le souhaitent venir ici, ce qui est sûrement important pour elles, elles puissent le faire dans des conditions optimales, parce que c'est important, je pense, pour qu'elles puissent faire le deuil. Pour cette nuit, les recherches vont cesser. Les secouristes ont perdu tout espoir de retrouver des survivants du vol 41-9525. Les gendarmes ont bloqué le périmètre et tout survol de la zone est désormais interdit. Une équipe sera présente sur les lieux de l'accident toute la nuit afin de veiller sur les décombres.